Ben, j'étais bienvenue sur un thé éternel. Voilà. Bon, ça y est, il est 2h du mat, c'est vraiment le samedi 24. Là, ça va chier. On va commencer un par un, parce que je prépare mon texte pour demain, mais en fait, tout à l'impro, comme d'hab. Bon alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Temps. Putain d'orage. J'ai nettoyé un peu les vitres et j'ai commencé. Allez, libre service Riquet. Comment Aziz devrait être dans le Nouveau Monde un peu le roi du Maroc. C'est pas besoin qu'il se la pète, c'est pas besoin que. Hein. Non. Que le tonnerre gronde, c'est normal. C'est là où ils sont pas contents. Hein. Vous comprenez pas. Bon, ok. Aurélien. Ok. Étienne Klein, ok. Bon. On connaît des trucs, le principal c'est de le partager. Le pognon c'est le dieu du diable, le partager, l'amour sans dieu. Ok, jusque-là ça va. J'ai mes deux chansons de la Révolution. Il y a Jacques, il y a Nico, il y a Franck, il y a moi, il y a Philippe, Corti, c'est un Corse en plus. Bon, si vous faites semblant de rien comprendre, c'est pas grave. Demain, j'espère que sur Rogner des Miettes, je sais pas, il y aura FR3, il y aura je sais pas quoi. De toute façon, je le ferai moi-même. Hein. Moi, j'en veux au XAPA parce qu'il me donne pas ma séquence du prophète. Il n'y avait personne pour filmer. Il n'y avait personne pour filmer. Mais j'explique un truc prophétique que vous comprenez pas. Il vous manque la quatrième dimension. En fait, il y en a sept. Je comprends, je comprends pas. Je veux pas comprendre, vous voulez pas comprendre. Moi, le Toubib, il est franc, vu que ça part. Lui, c'est Olivier Laroche. Oh. Il me dit, je comprends pas ce que tu me dis. C'est normal. Il faut capter sa position dans l'espace-temps. Est-ce que tu es sur Terre pour faire de la merde ou pas? Alors moi demain j'aimerais bien, bon, au pire je vais prendre un sac poubelle s'il pleut trop fort, je ferai trois trous pour le haut-parleur. Enfin demain c'est maintenant, hein, parce qu'il est 2h du mat. Ça y est, on est le 24. Qu'est-ce qu'il y a là? Combien ils sont? Moi, le diable, je l'encule sur Terre, hein, je l'emmerde, je vous pisse à l'arrêt. Et je vends pas mon âme. Je l'ai redonné au bon Dieu direct. Quand j'ai compris le merdier. Si votre Dieu est argent, c'est le diable. Maintenant, mieux vaut faire. Caisse commune que fosse commune. Point. Bon. Je préparais mon gilet jaune, je préparais mon ampli, je mets un sac poubelle de la ville pour si vraiment il pleuvait fort. Bon, moi j'en ai rien à foutre. Je reviens de laver les vitres. Bon, j'ai commencé de chez Aziz, de 35-37 Riquet.
Libre service Rixier. Trouve-moi un Français qui te fait crédit que je dois au moins 1 400 euros. Pas loin. Et pendant ce temps-là, les mecs, ils détournent, je sais pas, du 300, 400, 500 000 euros par jour. L'autre petit PD de Renault, là. Tu vois pas qu'il a une tête du diable, celui-là? J'ai remercié d'exister, j'ai remercié, tu sais, tous ceux qui sont sur un peu mon Facebook. C'est pas un réseau social, moi je suis pas un réseau. Je suis pas beaucoup. Je suis pas beaucoup à être pas nombreux. Mais. Putain, demain, faut que ça chie. Gentiment, voilà, c'est ça le truc. Insurrection pacifique. Façon Stéphane Hessel, 96 ans quand même, c'est comme le grand-père de Douai, Georges Douai, 96 ans. Il m'a laissé un arbre généalogique, le mec il a mis toute sa vie à le faire. Hein. Et quand il m'a dit, ah t'es un Christ, bah porte donc ta croix. Putain, je suis entré en toute question, c'est pour ça que je me gratte le cerveau. Je me fais des plaies à la tête. Mais c'est pas grave. Parce que il n'y a pas assez de place. Non, je ne suis pas un numéro. Si, t'as un numéro de sécu. Si, t'as un numéro de la CAF. Si, t'as un numéro de. Je sais pas, t'as un numéro. Eh ben non. Façon BNP, esprit libre. Mais va te faire enculer, vous m'avez tout niqué, vous êtes des bâtards. La banque, l'argent, tout ça, c'est de la merde. Dans l'esprit, le temps et l'argent n'existent pas. Le seul truc, c'est qu'il vous manque l'esprit. Enfin, je sais pas comment dire ça. Bon, demain, je décolle vers 11 h. On va essayer. Programmer mon horloge biologique, comme ça. J'aimerais bien mettre le feu à Garibaldi. Tu sais, comme j'ai fait au bled. Putain, vous êtes chier. Putain, merde. Ils sont tous cons, quoi. Et puis j'ai pris la guitare. Bon, je suis allé boire un bon coup de Guerouane. Avant. Et là-bas, j'ai mis le feu. Fa Fatima. Titi m'a fatigué. Fa. Et au bout de, je sais pas, 10 minutes, il y a tout le monde qui saute en l'air partout. Alors, faudrait que j'arrive demain. Alors, c'est à Masséna. Enfin, demain, c'est ce matin, c'est tout à l'heure. Bon. Il faudrait garder de la mémoire dans la caméra. J'ai du matos de merde. Des fois, on n'y voit rien. Tu sais. Justement. Aujourd'hui, j'ai parlé à mon pote de Côte d'Ivoire, et après, j'ai parlé à mon pote roumain. J'étais plutôt orthodoxe. Il dit, ouais, c'est vrai, ils ont tous des belles bagnoles. Il n'a pas dit ces enculés, c'est moi qui le dis. Mais le bon Dieu, ça se vend pas. L'âme, ça ne se vend pas. Plutôt crevé. Bon, de nos jours, on ne cloue plus. Bon. On ne brûle plus pour hérésie. Bon. Ça, c'est le mal. Bon, on ne les trouve plus. Non, d'abord, c'est guillotin. Non, on ne guillotine plus. Tiens. On te coupe la tête quand t'es pas d'accord. Bon. Bon, c'est un gros merdier, ça. Après, on n'électrocute plus. Bon. On les met sous cacheton. Industrie pharmaceutique, c'est le diable.
Les laboratoires Bayer étaient, je sais pas, à 100 mètres d'Auschwitz, 150 mètres. Qu'est-ce qu'ils ont vu se prendre, les pauvres? Putain de merde. C'est pas qu'Hitler, c'était le diable, mais si. Oui, c'était un diable. Comme Sarkozy, comme même Escrozy à Nice. Appeler un chat, une chatte, hein. Voilà, c'est comme ça. Hein. Oh. Je crois qu'il ne savait pas pour le 14 juillet. Ah, il se faisait un bon gueuleton pendant que le mec, il écrabouillait tout le monde. Et il était content. L'homme est le pire prédateur de la Terre. L'homme de pouvoir est un putain de super enculé. Oh, RSA, vas-y, rends-nous tout ce que tu nous as pris. Tu pries Saint-Padoue. C'est comme ça qu'il pleuvait sur ma tête en plein soleil. Voilà, poète. Bon, c'est, j'en ai marre. On appuyait. Bon, j'appuie. Bon, alors, comment tu vas le dire? C'est parce que les processus, que les protocoles, c'est pour ça que les procédures. En fait, vous êtes tous enculés, en fait. T'as prêté serment, bah t'auras mieux fait de prêter serre vraie, tu vois. Moi, j'ouvre ma gueule un peu. Tu vois, je suis pas trop dépouillé, c'est bon. Et je vous emmerde. Vous êtes vraiment des connards sur Terre, putain. Il vous manque. Hein. C'est comme pour les jours de la semaine, les sept notes de l'octave, les couleurs de l'arc-en-ciel, hop. Vous n'êtes même pas la quatrième dimension qu'il en existe sept. Tu comprends ou tu comprends pas? Tu veux pas comprendre? Reste dans ta merde. Mais sinon, non. C'est pas comme ça. Il s'agit d'un. Oui, un trésor public, mais voilà. Le TPU, universel. Tu comprends? Tu comprends pas? Je t'explique. Le partage. Voilà. Ça veut dire quoi? Eh ben, un super riche, putain, pour faire un super riche, il faut faire 200 ou 300 000 pauvres. Tu vois? Ces enculés. Leur dieu est argent, donc c'est le diable. C'est marqué là. Peut pas dire mieux. Hein. Je ne peux pas vous dire mieux. Le mot mieux. Je ne peux pas vous dire mieux. Coluche, dernier prophète non reconnu avant moi. Bon. Fais gaffe, parce que le zoom, tu comprends jamais rien. J'ai que du matos de merde, j'ai pas de thune. Putain, je vais avoir 10 balles. À... 10 balles par semaine pendant le mois de décembre. C'est ça la vie. Pendant qu'il. Ça me gonfle.